Juliette et moi, on a été réunis par un studio d'animation qui s'appelle Prima Linea. Et on voulait absolument présenter cette histoire et la présenter maintenant. Parce que c'est une histoire qui se passe dans la Prague du Quattrocento, mais qui résonne maintenant d'une manière incroyable. C'est une histoire qui parle de différentes religions, d'une période très étrange, très difficile, où on agite un petit peu les religions, on agite les peuples les uns contre les autres, et on a besoin d'un héros comme ça, un golem qui vient surgir et aider un peuple qui en a besoin. Et c'est vrai que cette histoire, on avait vraiment envie de la présenter, et on a été ravis de la faire, en tout cas chez Flammarion. Et puis il y a aussi le thème de la machine qui vient que l'homme crée pour s'aider et qui finalement vient dominer l'homme. Et puis j'ai pensé vraiment à cette jeunesse qui nous désarçonne et qui nous déroute parce que on les voit tout le temps sur leurs machines. Et j'ai voulu leur dire ne soyez pas esclaves de vos machines.